C'est ce qui me décourage. Aux Juifs acceptent, mais aux Amoraïs vulnérables. Sans coûter un homme, ils sont tous infectés. Dans le véritable vaccin, le véritable médicament, c'est la prière. C'est le Dieu qui connaît toutes choses. Il y a des gens qui ont pris des manas Covid, tout ce qui était annoncé mais sont morts. Mais peu de gens. Ah, alléluia. Mais va pas bien. Oh là là. Ma maman. Je vais avoir des interprètes femmes, des prédicatrices femmes, des modératrices femmes. Et j'annonce à moi, je vais avoir des prédicateurs qui prêchent en Swahili, en Chiluba. Nous sommes un ministère des familles. Nous sommes un ministère des familles. Sur la terre, américaine, service dans la terre à la Chiluba. Azo déclaré que la Congo en Zambé la Chiluba, la paralytique, la zone d'Afro, la veille, la zone. Non, vous voyez, on est. Entre dans mon Facebook, sur les vidéos, sur les rassemblements. Dieu lui est apparu. Dieu lui a dit, le prédicateur n'imagine pas comment Dieu s'est dit. Quelqu'un par exemple a prêché ici, il a très bien prêché. Mais un papa m'a écrit, il m'a dit, je sentais que ce bien-aimé n'avait pas vidé son sac. Je lui ai dit, moi aussi je l'avais senti. Total à la film anglais, que lui anglais de nos secret. N'est-ce pas? Bah, j'ai dit, je suis en train de faire la VHS, et va parler dans la vie chinois. Mais de haut terre, nous va dire, mais vous avez dit, 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 amen. Dieu a mis dans tout temps la pensée de l'Église. Soyez à l'aise quand vous modérez. Soyez à l'aise quand vous interprétez. Libérez ce qui est en vous. Avec la langue la plus plausible. Alléluia. Amen. Wanando au sentir que là il y a la simili-poïde. Il faut faire les choses avec la grâce. Il faut que ça soit un bon amour. Alléluia. Amen. J'ai prié Dieu avant la fin de l'année. J'utilise puissamment avec ce qu'il a mis en place. L'année prochaine que nous aimons des gens qui vont prophétiser à Soyou, à Chikongo, à Chiluba, à Lingala. Il faut pas s'arrêter à la toile. Mais vous devez interpréter quand vous devez interpréter la langue à comprendre mieux.
Beaucoup de gens n'évoluent pas aussi dans la foi parce qu'ils sont pauvres. Ils pensent que pour la terre, ou bien dans le temps, la Bible est en français. La Bible est en lingala, les aïe, qui compose, alors tout le monde a été là. La raison de la Bible, le mot de la Bible a été là. J'ai béni le Seigneur. Pardon, Elisabeth. Si on a son Bible, on a son pareil en français. Dès que frère Samuel, je t'interdis d'avoir une Bible en français. Trouve-toi une petite Bible en anglais. Lis la Bible avec la langue pour qu'on comprenne. Il y a pas mal à vous. Oh, Jésus, avec la Jésus, la main, il y a chanté pour la Bible, pour la Bible. Coua ton sang. Parce que la langue, il y a un maîtrisé en côté. Si on ne sait pas, il y a une langue, jette-toi dans la mer. Au moment où c'est que ça va, c'est que ça va, c'est que ça va, on a l'ingal. Bah, c'est que là-là. Dès qu'il y a un l'ingal, on va se faire ça du soir. Bah, il y a des choses, ça, il y a des choses, on a l'ingal, ça va, on a l'ingal, on a l'ingal, plus à l'aise. Acclamons le Seigneur, mon Dieu. Merci, madame, je vous remercie. Aujourd'hui, c'est une célébration. Mais là, il y a beaucoup ici. Parce que laissez-moi vous dire que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Qui a fait 20 jours? Oh, que le Seigneur vous bénisse. Zambé a fait 18 jours. 19. C'est 19 ou 18? Ok. 15. Que Dieu te bénisse. Zambé a 14. Que Dieu vous bénisse, papa. Ça va pas pour la vie, non? Oh, bon, on va vous soigner bien, moi. Que Dieu vous bénisse. Ça va pas pour la vie, non? 8. 7. 5. 6. Que Dieu te bénisse, papa. Ça va pas pour la vie. Moins de 5. Assez à l'étape. Que Dieu vous bénisse, papa. Ça va pas pour la vie. 0. Zéro. Hop. Et ça score. Et ça score un match. 0-0-0-0-10. Que Dieu vous bénisse pour la sincérité, papa. Donc, si vous avez banana 20, si la 0, ça est à combien? 0 à l'unité à combien? Mais bien, on y a aussi pour la sincérité, vous êtes à combien? Il va dire zéro. N'a-t-il pas fait ce chiffre de l'éternel à ton bonheur? Combien? 16. Et Dieu te bénisse. 1. On va dire le nom. Le nom que tu veux, 4 jours. Et Dieu te bénisse. Et Dieu te bénisse. Bon, qui s'est décidé de ne pas faire? Je ne sais pas si je peux faire ça. Mais il y a une raison qui le pousse à ne pas faire. Je ne sais pas si je peux faire ça. Je ne sais pas si je peux faire ça. Il y a aussi une catégorie. Qui commence mais ne termine pas? Je ne sais pas si je peux faire ça. Toi aussi, tu n'arrives pas à terminer. Je peux comprendre aussi. Tu arrêtes vers quelle heure? 15h à la récréation. Là, tu as déjà les pains dans les sacs. Hein? C'est ça la tentation. Cette semaine, non. Nous terminons aujourd'hui la première. Nous commencerons la deuxième manche de lundi prochain. Relève-toi. Il y a une bénédiction pour ceux qui courent. Mais Dieu, tellement qu'il est bon, il y a aussi une bénédiction pour ceux qui finissent. Mais pour ceux qui arrivent à la fin. Je prie que ces 40 jours de ces jours ne partent pas sans pour autant que tu les gères. Je ne sais pas facile pour vous. Tu vois ce que tu sens là, ma fille? Moi aussi, je le sens. Aujourd'hui, par exemple, quand je suis arrivé, je ne sentais plus mes pieds. Il y a grave. Mais
Mais quand l'heure est comme 16h30, c'est parti, je n'ai pas prié. C'est parti, j'ai une force. Tout le monde sent ce que toi tu sais. Deux fois, j'ai déjà stationné à côté. Vertige, la maladie, mais yanzala. J'ai stationné, j'ai arrêté le véhicule, j'ai fermé les yeux. Pendant quelques minutes. Cela ne veut pas dire arrête. Parce que dans les jeunes, il y a une pratique, ça doit arriver à certains moments. Si tu ne sens pas ça, je vais encore te donner une technique. On a une gastrite, on est sur le à 12 heures dans l'été. Mais on ne peut pas faire un mot. On long à l'amour. On a besoin de technique, moi je suis de la chair. Certaines personnes qui ont des maladies, mais qui aiment gêner. Certaines personnes qui prennent même les médicaments. Les médicaments, on les prend souvent deux fois la semaine. Matin et puis soir. Ils prennent leur comprimé à 4h du matin à 4h. Ou à 5h. Ils mangent. Les jeunes commencent à 6h. Ils mangent, ils prennent son médicament. La journée, ils prennent du gîte. Ils prennent un peu de l'énergie. Et le deuxième comprimé, ils prennent après son gel. Problème dans les athées de haut, il y a mon dérangé volonté nette. Et puis, ça va être bien. Les musulmans, quand ils font les ramadans, nous nous prenons de l'eau. Ils sont aux oreilles. Et seulement ils ne prennent rien. Mais il est même interdit d'avaler la salive. Pendant 30 jours à Ramadan, c'est 30 jours de Ramadan, la dimanche. Donnez à ça, donnez à l'air quitté, à l'endroit de la tête. Et non, c'est pas quoi. Si, à quoi on lit après 18h, l'air mot est là, dans nos sacrifices à vous. Et puis même leurs enfants, les font. Est-ce que vous voulez la 4h, l'air dans la table pour la maison? Vous comprenez? Par mon lame, ma bilogo, mais ça vous dit, allez, Amélie Maï, Jona Vanina. Trouve-toi toujours un moyen de te mettre en ordre avec Dieu. Toutes les raisons sont bonnes pour aller en enfer. Toutes les raisons. Mais ça ne peut pas nous assujettir parce que nous voulons être au-dessus de ce jour. Hier, le cœur me faisait tout. Je lui avais dit, c'était pendant l'équipe, je me sentais trop mal quand j'ai dit, c'était une attaque. Je l'ai appelé, je lui ai dit, Annie l'avait dit, Après, quand je rentre le Saint-Esprit, je lui dis non, laisse la veiller et je ne viendrai pas les lire. Mais quand je suis sorti, j'ai senti comme tout à l'heure, bonne chose au temps pour la langue, tout à l'heure. J'ai senti, ah, même si tout à l'heure, la moto. Mais on dirait au temps pour la mako. J'arrive à la maison, c'est parti. J'ai mangé, je me suis lavé, taillé. Les choses spirituelles se passent comme ça. Tout le monde tremble pendant les jeunes. Il n'y a pas un plus fort dans les jeunes.
Est-ce que tu es décidé maintenant à nous rejoindre? Aussi mon calme à beaucoup de la vision. Que Dieu te bénisse. Qui nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Nous allons faire la lecture. Vous savez, vous avez vu comment les matériels ont dérangé. J'ai l'avais annoncé prophétiquement si les gens n'avaient pas compris. Je savais que la semaine qui vient ici, les gens devaient combattre du côté de l'organisation élite. J'avais dit aux gens de l'intercession. Acclamons le Seigneur pour les gens qui ont dérangé. Je vais venir au bureau pour qu'on appelle les techniciens. Rentre là-bas. Puis tu vas trouver la solution. Technicien va venir là sous la barre, on va mettre la massage. Il n'a pas ma camoule. Il n'a pas mis tout le monde. On va bien gagner pas. Je l'ai dit, va faire si ça marche. On va tenir l'équipe comme ça. La vie n'a pas besoin de facile. Amen. Nous allons faire la lecture parce que c'est le dernier. Aujourd'hui, c'est le 20e jour. Le 20e jour. Le 20e chapitre. Vous appréciez ce soir. Exode. J'allais dire ça, j'ai dit aujourd'hui, c'est le 20e jour. Nous allons lire Exode chapitre 20. Il n'est pas là les lecteurs. Je vais le faire. Exode chapitre 20. Nous avons un aussi de 6. Pour 22, il y a des dates de 6. La seconde salle de tous les amis. Oui, oui. Amen. Et puis nous avons un peu de temps. Amen. Alors, nous avons un peu de j'ai déjà payé la Bible. J'attends bien. Nous avons prié pour 40 jours et les gars, Sili. Au bandit m'a ramassé, alors on bougeait des âmes, mais j'attends. J'ai fait des choses, j'attends les résultats. C'est ça la Bible. Dion sozo senga ozo lobo zo sala. Nasuka bada changer prière. Seigneur, moi j'ai déjà fait ma part. J'attends mes mains que tu fasses. C'est cette joie que moi j'ai sentie. J'ai accompli un grand vœu que j'avais fait à Dieu pour ces 40 jours. Ma prière est que toi aussi tu l'accomplisses. Ton vœu que tu as fait à Dieu. Exode chapitre 20. Nous lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Alors Dieu prononçant toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Kangango. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment, retiens cela, et qui gardent mes commandements.
Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel. Ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne dérobéreras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton frère ou ta sœur. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bé, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait le tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. L'Éternel dit à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. » Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Vous ne ferez point de dieux d'argent et de dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi. Alléluia. Vous ne ferez point d'autres dieux d'argent et d'or pour les associer, vous ne vous en ferez point. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu offriras les holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu me lèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée. Car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la Sainte-Seine. Matthieu chapitre 26 à 29. Je vais t'exhorter pour la Sainte-Seine. La Sainte-Seine, c'est quoi? Pourquoi la Sainte-Seine? Qui doivent prendre part à la Sainte-Seine? Qui ne doivent pas prendre part à la Sainte-Seine? Comment est-ce que tu dois prendre la Sainte-Seine? Qu'est-ce que la Sainte-Seine t'apporte? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain.
pains. Et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plaisir, pour la rémission des péchés. Au verset 30, à la fin, après avoir mangé, ils chantèrent des cantiques. C'était du pain. Est-ce qu'on peut nous approcher la table? La Sainte Seine, Jésus donna au peuple son corps ainsi que son sang. Mais il prit seulement du pain. Du pain sans levain. Parce que la levure était interdite. Alléluia. Amen. La levure était interdite. Il fallait du pain qui ne s'en portait. Du pain normal. Du pain normal. Il voulait partir. Il voulait quitter la terre. Jésus a voulu faire une alliance. Une alliance que lui-même a voulu que ça soit perpétuelle. Une alliance éternelle. Il était lui-même le pain d'Israël avait mangé dans le désert. Amen. Amen. Tu diras, il n'était pas encore né. Mais il a dit, avant qu'Abraham soit, moi je suis. Amen. Il est l'Elohim, le Dieu créateur, le Dieu de Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Elohim créait. Est-ce que c'est écrit comme ça dans David? Et comme on dit la Bible, au commencement, la Ebadeli, Elohim, mon Badeli, créait Akena. Au lieu de regarder dans ta Bible, tu me regardes. Dans la Bible, va se faire comme un peu dans la Bible. Soyez comme des chrétiens de Béret. Zana le col avec Christ et avéré qu'on. Assidu à la parole. Au pénal à Bible. Au bon sabbaté. Moyen wal. Au lobby à vérifier. Aïe, mis en colère. J'ai dit Genèse chapitre 1er verset 1. Au commencement, Elohim créait les cieux et la terre. Ça veut dire c'est ça. Ça veut dire que tu vas le bon. Mais tu as dit Amen, tu as même dit. Tu es d'accord avec moi. Qui doit être d'accord avec moi? Je t'ai dit comme ça. D'abord, la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite, l'Ancien Testament, quelle langue on a donné? L'Ancien Testament. Hey, Jonathan. L'Ancien Testament a été écrit en français. Comment on a donné? Comme si tu avais dit hébreu, tu avais dit grec. Tu vas reprendre les enseignements des bases. Oh, bah, Elohim. On va dire. C'est le pluriel de Elohim. Et ça, aux Alicia, est belé d'abord.
Mais quand tu as la version hébreu, il est dit Elohim. C'est-à-dire à la création. Il n'y avait pas un seul Dieu. C'est le seul qui se manifeste en nous. Dieu le Fils, Dieu le Saint. Avant qu'Adam ne soit, Adam lui, il fit déjà. Le bébé Jésus de la crèche, bébé le nom à ton nom, un vieillard, un enfant m'a fait une voice sur WhatsApp. Ça m'a fait sourire. Et c'est la voix de papa Christelle. Il est dit bonjour, bote papa. J'ai dit bonjour. Il dit bote. Il dit dis-moi d'abord. Quand tu pries pour les malades. Tu bénis les mariages. Tu prêches beaucoup. Dis-moi le jour, la date de naissance de Jésus. J'ai pris du temps pour répondre. J'ai commencé à rire, mais j'ai dit c'est j'ai bénis les mariages, mais je ne connais pas la date de naissance. Après sa mère me renvoie, il m'a envoyé ce médicament. C'est tout simplement parce que j'ai interdit de dire que Jésus était né le jour de la Noël. Il y a un mois de Sili qui a dit que maman, c'est compliqué, il y a un peu d'éviter, donc tout le monde est à terre. Quoi, pas pour la maman, il y a une date, si je suis à bout de la maman. J'ai dit à la maman, j'ai pris, j'ai fait le voyage, j'ai dit, il est le jour de Noël. J'ai dit à sa maman, laisse-le grandir. Maman a été quand il grandit, il comprendra. Nous aussi, on nous avait dit à l'école primaire, Moi, monsieur, oui, impossible. N'est-ce pas? Oui. Mais quand on a grandi, oui, on a compris que ce n'était pas impossible. Va calculer le bébé. Au commencement, Jésus était déjà là. Yes, was alaki. Le pain, la manne, qui était descendu, qui t'a dit, c'était Jésus. C'est alaki à Jésus. Amen. C'est pourquoi quand il est descendu, il était un spécialiste en pain. Il nourrissait les gens de pain si facilement. Deux pains et combien de poissons? Il n'entre pas dans la boulangerie. Mais il nourrit 5000 hommes. Et Jean dit dans le chapitre 6 que c'est lui, Yeshua, c'est pain qui était disponible. C'est ses pains. Voilà pourquoi quand il voulait enseigner au peuple, c'était lui le pain qui est disponible. Il a recouru à ce que nous allons faire. Il a pris du pain sans levain. Parce que le levain, okay, c'est le péché. C'est ce qui fait monter la peur. Voilà pourquoi la Sainte Seine est prise avec du pain sans levain. Nous avons dit pour la rémission du péché. Il a dit, prenez-les et mangez. C'est mon corps. Pour la rémission de vos péchés. Il prit le vin. Il a donné. Il a dit, prenez buvez. Ceci est mon sang. Je le verse pour vous. C'est ça qui dit.
guérit toutes sortes de maladies et toute forme d'infirmité. C'est le sang ici. C'est tout qui avait jailli du rocher. Parce que Christ est identifiant puisque nous sommes prenant la marche sans les pains, sans les vins, nous ne saurons pas arriver à Cana. Amen. Parce que je vous ai dit que ceci fut accompli quand l'homme est resté les mains quand il ne devait compter que sur ça, la manne qui est c'est le pain du ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Qui apparaissait. Mais la première fois dans le désert, le ciel s'était ouvert. C'était pour que le pain descende. En prenant la sainte scène, tu es en train d'ouvrir le ciel. La puissance de la scène ouvrira toutes portes qui étaient fermées dans ta vie. Si le ciel s'est ouvert, si le rocher s'est fendu pour donner le sang, l'eau de la vie, parce que dans Jean Jésus dit, il n'est pas seulement le pain qui vient du ciel, mais c'est le pain aussi qui donne la vie. La sainte scène apporte la vie là où il y a des maladies que les médicaments ne guérissent pas. Que sert le sang. La médecine ne guérit pas. La médecine soigne. Tu manges le corps. Tu bois le sang. Qui se transforme en corps et en sang de Jésus. C'est-à-dire Jésus a dit c'était une manière physique de faire une alliance corporelle. Il a besoin seulement d'entrer dans le corps, de se mélanger à l'eau et à ton sang. Il attirera la faveur de Dieu. La manne a libéré aussi la providence. La sainte scène, quand Dieu te nourrit, Dieu t'ouvre sa providence. Quand la manne est descendue, et s'il est dans l'herbe, a commis la porte, s'il y a un an.
C'est-à-dire celui qui mange les porcs et qui boit le sang vit maintenant dans la providence de Dieu. La Sainte-Sainte manifeste la puissance de Dieu. Et enfin, Soka, il active les autres les repos divins. Une fois nous faisions la délivrance pendant plusieurs jours. Les derniers jours, moi je l'étais pas. À l'époque, j'ai utilisé des pâtes. Je suis allé au travail. Et j'ai envoyé les frères. C'était ici à Rigini. J'ai dit, on va prier, vous allez mettre le WhatsApp. Moi je serai au bureau, vous êtes là. On était déjà fatigués de cette dame. Pas que moi, la délivrance, tout seul, l'église, ça va. Au bureau, on va prier là. Bon, mon coso, ça va, on va prier, on va prier, on va prier, on va prier, on va prier. Et au bureau, on va prier, on va prier, on va envoyer les sources. Bon, il y a ta maman. Le papa Jésus. Et il y a un salam, il y a un lemba. Zambé a l'invité. Amen. Les jours au salam. Amen. Ces jours-là, il y a une beaucoup d'absence. Quand j'appelle, nous allions de soir à 12, il y avait 4 personnes. Quand du coup, on a commencé à prier. Et Dieu s'est manifesté. Dieu a montré un frère. Il a dit, organiser une Sainte-Seine à dans cette maison. Préparez-moi la table. Organisez seulement la Sainte-Seine. Quand on m'a donné ce message, je n'avais pas réfléchi, je n'avais pas trouvé l'opportunité. Est-ce que c'était opportun? Et vous savez, d'un frère, il était prophète. C'était la première fois que nous avons eu un amour. Et la veille prochaine, on s'est rencontré chez moi. Avant de partir, il est la veille. On arrive là, on n'avait rien prévu. Je rencontre la maman. Elle était faite. Je parle avec son mari, je lui dis, est-ce qu'on peut trouver du pain sans le pain? Et du jus, n'importe quel jus, que ce soit bon. On va faire la Sainte-Seine aujourd'hui. Sa maman qui était là, elle a dit, non, on a mis ça, moi, j'ai dit, c'est que ma mère, il n'y a pas beaucoup, Fanaï. Moi, je vais t'en moi, là, je vais t'en avoir. Oh, parce que la mère, il n'y a pas beaucoup, Fanaï. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Si c'est un rond-point, si c'est un lisse, quoi que ce soit, la veuve, le poisson, et les gens ont trouvé le pain sans lait. Donc on a acheté un petit talon, on a pris des gobelets de la maison, on a demandé qui était baptisé, on a organisé la Sainte-Seine, on a prié, on a chanté, on a adoré le Seigneur. Et puis, j'ai invité chacun ses serviteurs. La maman a pris, il a pris du pain, on a tous pris du pain, on a prié, on a pris du jus, on a prié, il n'y avait rien. Au fond de moi, je commençais à me dire, mais dans l'année, ma maman noyée, il s'est dit, mais est-ce qu'il y a eu un exemple de bien? Je laisse la salle. Et moi, je ne vais pas douter. J'ai dit, bon, quand on a fait la salle, c'est fini. Dieu prend les choses en main. Je laisserai un nouveau jour. Amen, amen. On peut dormir. Nous sommes restés là, aussi les canapés. Pour cette affaire de passe, il y a aussi une bête. Pour la la quitte, ça va dans le salon, va tout le sous. Pour la lobby, quoi, pour tout le sous. À 3h du matin, elle était dans la chambre. On est venu nous appeler ça. Elle a commencé à vomir.
des petits vases là que les dames utilisent pour les mettre à l'échelle. Elle a vomi. Elle a commencé à vomir du sang. Elle fait sens dans la maquina. Elle fait l'éternité. Tout l'hôpital. Avant au couffin. Il y a des personnes qui viennent pour l'hôpital à couffin. On a un royaume de l'église. Ils sont dans la païen. Prions, nous prions, elle a commencé à vomir. Un moment de boule noire de sang. C'était terrible. J'ai dit, sa maman commençait à dire, il y a des gens qui viennent de la route qui ont fait. Mais il y a des gens qui viennent de la route qui ont fait. Seigneur, aide-nous. Elle a éliminé sur les amis. On a fait la ceinture, on a dit personne ne va la toucher. 47 minutes après, elle s'est réveillée. Elle est assise. Elle n'avait plus de cheveux, comment ça perd dans ses cheveux. Elle a fait signe à sa fille. Elle a dit, enlève. Elle a dit, enlève-moi. La plante que j'ai mis. Quand on a enlevé la plante est propre, elle a terminé de chaise. Donne la force. Elle n'avait plus de cheveux. Elle a sur la soudité. Et c'était le sida. Et elle a été capable. Tout le temps que nous prions, Dieu n'avait jamais dit qu'elle était à l'aise. C'est quand elle a enlevé la pénitence. C'était une scène bizarre. Elle s'est délivrée. Elle a commencé à chanter. Elle a chanté. Elle a pleuré. Nous avons rendu grâce à Dieu. Mais comme les enfants d'Israël. J'ai marché devant dans les choses de Dieu. J'ai dit, bon, elle a dit, tu lui montres, j'ai réservé, je fais un tout. J'ai des marchés, je ne suis pas. Prochaine veille, on m'a dit, il faut y aller. On a dit, bon, qu'est-ce qu'on a pas pour moi? Les messieurs commencent à me dire. Les gens ont un bon temps pour ça y est, donc on a ma casse. Quatre mois après, elle nous revient sur les civières, à l'idée. C'est façon de nous chercher. Quand on arrive, Dieu parle par le prophète. Il m'a dit, Dieu a dit, il est bon. Elle ne va pas s'en sortir. J'ai bien pleuré la grâce du Seigneur. Nous sommes en bonheur, ça va. Nous sommes en bonheur. Nous sommes en Saint-Saint. L'agneau. Dieu n'a pas dit ça, ça c'est bon. Et elle est morte. C'est le jour où elle est morte qu'on nous dit. Elle est morte. C'est que la sainte scène peut faire pour toi. Il n'y a pas d'explication. Les âmes n'ont pas été. Dans l'ordre, ça peut venir juste pour guérir une infirmité. Malade, il n'y a pas qui t'a atteint la 400 autres. Dieu a fait disparaître des gens. Ma prière est que Dieu ose un droit dans ta vie. Donc, Dieu
Dans les versets que nous avons lus, il est dit, on n'avance pas n'importe comment avec le mandat du Seigneur. Il y a des gens que Dieu a rendus infirmes pour avoir méprisé la table de Dieu. C'est-à-dire, eux-mêmes savaient qu'ils ne sont pas dits. Faites attention, ce n'est pas la communion. Exactement, la communion. Dans les jeux des apolites, après les messes, on allait voler les communions. Bah, là, là, les... Après, c'est maintenant, on a dit à Dieu d'apôtre. Même après, ici. Maintenant, là, je vais donner ça même aux enfants de l'Église. C'est comme avec toi, ça va avec vous. Non, pas maintenant. Si Dieu t'a passé par parole. Avant, tout le monde était là. Mais du moment où il est consacré, nous avons dit qu'est-ce qu'on a dit ici dans ce qui va rester, vaut mieux pour le niveau. Et là, la tête. Mais si on lit un mot aussi, ça tu es libre. Oui, il y a. Mange. Il y a des bonnes. Bois comme tu veux. Mais il a des bonnes. Mais ne rentre pas. Mais avec. Mais si tu as quelqu'un qui est malade, qui est chrétien, qui est né de nouveau, qui est dans l'incapacité de faire, tu peux prendre et tu viens chez moi, j'ai pris. Tu vas lui donner. Ok, il y a. Ça aura les mêmes effets. Et que ça n'a pas besoin de ça. Qui est prêt à s'avancer et pour la table d'Israël. Quand nous partageons son temps, il nous donne son amour. C'est le pain de la vie, c'est le pain de la vie. Oh, c'est mon corps. Lève-toi, toi qui es digne, toi qui sais que tu es digne. Le mot de mon Dieu, ça qui est le pain de la vie. Le pain de la vie, c'est le pain de la vie.
prié pour moi. Il a versé ton sang. Je prie ce soir que si j'ai que je lève dans ta présence, se transforme ton sang précieux. Ton sang qui guérit toutes sortes de maladies et toutes formes d'infirmité. Ton sang qui est une nouvelle alliance. Quiconque le prendra ce soir. Revêtu de l'effort de ce soir pour dresser cette table pour ton peuple. Agrée cette table qu'elle soit conforme à la scène que tu nous as expliquée. Quiconque le prendra ce soir vive des signes, des prodiges, des miracles, que des maladies incurables disparaissent, que les infirmités disparaissent, que les lois de malédiction qui pesaient soient brisées, que les portes fermées s'ouvrent. Que cette table apporte la faveur divine. Que cette table nous ouvre le ciel et nous accorde les réponses de cette terre. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. On va nous servir. Thank you.
ton cas n'est pas mon cas. Que veux-tu que ce corps fasse dans ta vie? Je te donne quelques secondes de prière. Fais un vœu. Formule un vœu à Dieu. Thank you.
Jésus est Dieu, ce qui est censé s'en toucher ce soir, assis dans la peau.
te visite. Ce soir, l'homme n'a pas sa part. L'homme n'a pas sa part de ce qui se passe en ce lieu. L'homme n'a pas sa part. L'homme n'a rien à faire. Dieu lui-même est en train d'opérer. Oh my God. Oh my God. Ça va disparaître. Touche ce qui t'a touché. L'Éternel va mettre en main le démon de ta vie. Démon à Yahoué, ça n'a pas de. Il s'agit de toi de ta vie. Personne ne te touchera. C'est Jésus lui-même qui te touchera. C'est Jésus lui-même qui est en train d'opérer. Aucun homme ne te touchera ce soir. Tu veux ta délivrance. Allez, reçois ta délivrance. Tu veux ta guérison. Allez, reçois ta guérison. Tu veux la visitation de lui. Allez, reçois ta guérison. Dans le nom de Jésus, tu n'as pas mangé le corps de l'homme, tu n'as pas mis le sang de l'homme, tu as mangé le corps de Jésus, tu as mis le sang de Jésus, tu as mis le sang de Jésus, tu as mis le sang de Jésus. Oh yes.
Seigneur, pour l'Église, je les reçois toujours en privé. Il y a un message qu'il avait libéré de la part du Seigneur le dimanche passé. Un message que le Seigneur me l'avait dit personnellement. Un travail que j'avais déjà commencé à faire auprès de certaines personnes. Je suis convaincu par le Seigneur aujourd'hui de lui donner le micro. Il prie pas avec nous, il prie avec nous à la résurrection. Il est déjà en brousse un jour dans la prière, le Seigneur l'a envoyé à mes pieds.
Le Seigneur lui a dit de venir et de s'attacher à moi pour que je l'encadre et puisse grandir dans ce qu'il fait. Il va parler pendant moins de 5 minutes. Si le Seigneur me convainc, je lui donnerai un jour pendant les 40 jours. Il ne prêche pas, il parle, il libère juste deux, trois messages. Et puis nous allons clôturer la réunion. Amen, amen. Amen, amen. Qui est content ce soir? Qui est content ce soir? Le message que le Seigneur m'a donné. Lorsque j'étais en train de prier, le Seigneur était en train de me dire ceci. Il y a un problème qui se passe à l'église. Le problème qui se passe à l'église, les gens ne savent pas comment donner les promesses de Dieu. Il y a des gens qui travaillent dans ces lieux, mais qui ne donnent pas les promesses de Dieu. Le Seigneur m'a dit, c'est pour ça que vous êtes en train de chercher de l'argent. Vous ne trouvez pas pourquoi, parce que vous avez du mal à mettre les promesses de Dieu à l'église. Et le Seigneur est en train d'insister pour les gens qui travaillent de donner les sacrifices et les promesses de Dieu. Et quand on est en train de prier, j'étais en train de voir la maman où? Maman, mettez vos dépôts. Lorsqu'on est en train de prier, j'étais en train de voir Dieu bénir de ton vie. Tu as très tellement beaucoup de la montée par rapport à l'instabilité financière. Et quand je suis en train de parler maintenant, Dieu m'a dit de bénir. Arrête de penser. Parce que le Seigneur veut te faire du bien. Et quand je suis en train de parler, le Seigneur est en train d'ouvrir un chaman. J'ai posé à Dieu quel est le chaman. Dieu est en train de me dire, je suis en train de voir le Seigneur en train de me parler de vous. Le Seigneur est en train de me dire, vous vous inquiétez trop par rapport à l'argent. Et aujourd'hui, le Seigneur t'a donné la paix dans ton cœur. Et il m'a dit qu'il a stabilisé ta vie. Ce que le Seigneur te demande, c'est de s'attacher avec lui. Pourquoi? Parce que quand je suis en train de parler, je vois une alliance chez vous à la maison. Pourquoi je vois cette alliance? Il y a des temps que tu peux pour avancer, mais tu sens que tu n'avances pas. Il y a aussi un problème. Tu touches l'argent, mais l'argent se termine. Ça, c'est un problème de Jésus. Et quand je suis en train de parler dernièrement, c'est comme si tu avais voulu sentir que tu es malade. Et le Seigneur m'a dit de te dire, il a encore la mort. Et quand je parle, tu es guéri au nom de Jésus. Et quand je suis en train de parler, je peux voir ta voix. Et le Seigneur est en train de me dire de vous dire ceci. Tu as les noms prophétiques. Tu avais tellement demandé à Dieu, Seigneur, pour que mes yeux et les attaches de pleurer. Et le Seigneur m'a dit la pluie de gloire est de ce droit. Et quand je parle, tu vas commencer à prophétiser pour cette église. Et le Seigneur m'a dit de te dire, je suis dans la maison où tu habites. Et le Seigneur m'a dit, il t'a donné la paix dans la maison où tu habites. Parce qu'à un moment, tu te posais des questions, là, ça va t'avancer, et ça n'avance pas. Ce que je dis est vrai. Ce que je dis est vrai. Parce que quand j'étais en train de parler, tu étais même en train de me poser des questions par rapport à ton mari. Et le Seigneur m'a dit, il vous a stabilisé. Et quand je quitte chez vous, je dis avec papa. Mais que vous, de vous, papa, je vous parle. Je suis en train de te voir. Le Seigneur me dit, il ne va pas te venir par rapport à tes édits. Et le Seigneur m'a dit, tu as un grâce à l'éternel. Je suis en train de voir un ministère en toi. Mais parmi les ministères, je voyais le ministère apostolique. Le Seigneur m'a dit au-delà de la musique, tu vas commencer à prêcher la parole. Et quand je suis en train de parler, il y avait un moment où tu avais l'habitude de méditer la Bible. Il y avait un temps où tu priais beaucoup. Tu as commencé à sentir, c'est comme si la vie que tu avais reçue à commencé à descendre. Et le Seigneur m'a dit, il a ouvert
encore une connaissance publique. Parce que le Seigneur te demande, c'est de rester dans le pied de ton père spirituel. Parce qu'on ne sort pas parce qu'on veut sortir. Pour hériter de la grâce, il faut rester dans le pied de ton père. Le Seigneur me dit, fais très attention. Je suis en train de voir dans ton entourage. Il y aura quelques personnes qui viendront de faire sortir. Tu vas encore au studio parce que je vois une proposition. Le Seigneur m'a dit le studio. Comment ça compte contre le mois de janvier? Ce que je dis vient de Dieu contre le mois de janvier. Tu vas commencer à composer les chansons. Mais ce que je dis est la vérité. Parce que ces derniers temps, tu sens l'inspiration musicale. Quand je suis en train de parler, je suis en train de voir l'huile sous ta tête. Le Seigneur me dit, il t'a oué. Le Seigneur t'a oué. Allez-vous. Le Seigneur m'a dit, tu es un serviteur. Mais tu es tellement distrait. Parce que quand je pars du travail, les gens de Dieu me connaissent. Même la musique, tu le travailles avec mollesse. Le Seigneur ne t'a pas appelé dans la musique, mais il t'a appelé dans l'évangélisation. Il m'a dit de tenir. Ta grâce est attachée à l'évangélisation. Lorsqu'on veut te parler de l'évangélisation, tu as l'habitude de voir des chapitres. La musique n'est pas que ton département. Il m'a dit, tu es un évangéliste. Je suis en train de parler maintenant. Je suis en train de voir la pluie de la gloire tomber sur beaucoup de personnes. Je t'ai même montré les voix. Je t'ai montré les voix. Les enveloppes financières tombées sous la vie de personne. Et ce que je suis en train de parler bien de Dieu, ces derniers jours, comme si il y avait quelqu'un qui se posait des questions par rapport à l'argent, parce qu'il vient commencer les appels. Si tu es là, mais c'est moi les mains en l'air, moi ça va pas dire pour toi. Quand tu mets le message, je suis en train de parler, puis il y a celui qui a se posé les mains en l'air. Peut-être si on est en train de parler, je suis en train de voir le Seigneur en train de libérer l'onction financière. Le Seigneur m'a dit de vous dire, il a levé une génération à l'inconnu qui va prophétiser pour vous. Le Seigneur est en train de demander aux gens qui disent de vous dire, apprenez beaucoup la Bible parce qu'il y a un vent qui commence. Et parmi ces vents, vous allez voir ces enfants à l'âge de 12 ans, tous qui prophétisent. Parce que le Seigneur m'a dit de vous dire, ce n'est pas seulement les serviteurs que vous voyez ici. Parce que le Seigneur a commencé à ramasser les gens dans la rue. Je sens que le Seigneur a ramassé les gens dans la rue. Ah, le Seigneur m'a dit, c'était la rémunération de Dieu. Le Seigneur a commencé maintenant à libérer son peuple. Avant qu'on a eu le droit de faire prier, vous allez commencer à voir ses enfants qui mettent le message. Parce que lui laisse ses enfants. Le Seigneur m'a dit de vous dire, ne vous négligez pas parce que je voyais le temps dans la vie de son serviteur de corps. Je voyais les gens qui étaient venus avec la gastrique avant de rentrer dans la main. Je tente de voir même les gens qui ont le problème de goûter tuer le Seigneur les a donné la grâce. Et quand je parle maintenant, il y a des gens qui se sont saisis. Parce que quand je parle, il y a quelqu'un qui se sent qui doit prophétiser. Le Seigneur m'a dit, si tu avais la grâce prophétique, j'étais arrêté, et le Seigneur vous la donne encore. Et le Seigneur vous le dit. Acclamons le Seigneur, notre ami. Père, nous te rendons grâce. Alléluia. Je ne libère pas trop les messages prophétiques en forme de sa voix. Face à moi, tu es convaincu. Oui, ça va, notre ami. Il n'était pas là hier. Je crois que le prophète, hier que le prophète Junior a libéré ces mêmes messages. Sur beaucoup de choses. Moi, j'éprouve le prophète.
je vois difficilement prophète si tu me connais. Tu peux venir avec ta grâce prophétique au dos de la tête. En tout cas, la même chose, amen et bien dans le message. Il remarque. Des fois, ça décourage. Vous voyez, au risque de mon message, mais au moment après, je prie pour toi, tu parles. C'est qu'elle a dit ici, ma maman. Et on va vous montrer. Je parle, je suis ton Dieu. Pendant ces 40 jours, je vous ai dit, c'est que Dieu est en train de faire son temps. La maman est venue ici pendant une prière. Je l'ai laissé là à 2 heures du matin. Elle m'a dit des choses qui m'ont fait pleurer. Elle m'a dit, allez-moi dans mon bain. J'ai prié pour elle. Je lui ai demandé de faire ce qu'elle a fait. Moi-même, je t'ai donné les transports. Je lui ai dit va, parce qu'elle doutait. Et parce qu'on a choisi de le faire. Moi, je lui ai donné la à 2 heures du matin. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit va le matin. Le Seigneur sera avec toi. Et ma camouane, nous serons solutionnés dans ton. Une semaine après, elle est venue me dire que ça s'est passé exactement. Comme je l'ai dit, les prophètes viennent de lui dire que l'église, nous avons le mêler qu'il y a certaines sensibilités et on ne peut pas vous dire. Madame, on a initié son ami là, quel portique à moi. On l'est là. Est-ce que maman? Dieu est ta femme. On va lui mettre ma côte, on a initié son ami dans son mini. Priez là, ils ont dit si. Son mari l'avait abandonné avec les enfants. Pendant des années, il est allé séparer. Mais il va saigner ma zone là. A saigner ma pardon après prière. Et il va aussi préparer ma zone là pour la parole de Bali. Et ça, c'est Dieu qui s'est fait. Priez et à chacun encore. Priez et à chacun encore. Je ne parle pas souvent de ces choses parce que là, il y a un peu de grimace. Pour la salle à la montée, il y a un peu de photo de l'eau là. Les restes sont des bénéfices. Je l'ai dit pour confirmer ce que le prophète lui a dit. Parce qu'il va comprendre. Moi, je ne parle pas avec lui. Mais il vient de marquer un but. La confirmation est à. Ministère prophétique, parce qu'il a légiféré des choses que moi je certifie sur les frères. Fais à moi, lève-toi un peu. Maman Vanda, acclamons le Seigneur pour ce frère. Ce frère, c'est un don pour l'église. Un don. Si Gaïa continue, bon, mon ami, c'est lui, maman, vous êtes là. Vous êtes là. Elle est seulement sous l'onction du Saint-Esprit. C'est vrai, elle est venue pendant un moment où moi j'ai pleuré dans mes prières pour certaines choses. On l'a amené ici, j'étais en prière. Je l'ai écouté. Il est parti. C'est un bon frère. Elle est témoin, peut-être d'ailleurs, on t'a joué. Mais je savais que tu es sous sa gouvernance. Je te l'ai dit devant l'église parce que c'est une deuxième fois la prophétie. Il y a des gens qui viendront pour te distraire. Ils ne voudront pas que tu restes ici. Moi je le savais depuis longtemps. Si tu te souviens de la question, tu vas quand même retourner à l'eau. Tu comprendras. Les diables peuvent te chercher dans mon lit, dans la cuisine. Dieu m'a dit beaucoup de choses qu'il fait avec moi. Mais je ne délivrerai jamais ça. Je désire seulement ce que Dieu m'a révélé. J'insistais que ton épouse vienne. Je t'ai jamais dit pour moi. Bientôt tu nous sauras à comprendre. Hein, maman? Oui, bah, moi, c'est bien. Madame, lève-toi, nous allons t'accueillir dans la joie. Je vais vous montrer la ah, maman, ma face, ça, que nous tenions.
Je vous ai dit les 20 derniers jours, ne manquez pas. Nous allons vivre des choses impressionnantes. Je ne prêcherai plus la guérison. Je serai là que pour les services. Attends, mon thé, à où tu vas là, prier les bâtons. Dieu m'a dit, je dois faire un service de final tous les jours. Est-ce qu'on peut célébrer? On n'a pas donné les offrandes dans mes versets. C'est des offrandes, c'est des offrandes des prophètes. On a dit prophète, alors dit Dieu veut bénir les gens. Mais, hein, va te bénir dans ça qui se fait. Il faut qu'on fasse ça va dire, maintenant j'ai un moment. Moi j'avais l'argent. Jeûne liquide, ensemble sur sept thèmes. Tiré dans Exode 14, le verset 13, où il est dit « Ces Égyptiens que vous voyez maintenant, aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » Pendant que tu me suis, tu traverses un moment difficile, des situations compliquées. Mais Dieu peut tout arrêter. Dieu veut arrêter ce cycle infernal du mal. Qui avait cru que la COVID s'arrêterait? Mais Dieu est Dieu. Aujourd'hui, la COVID est déjà en train de tomber, si pas disparu. Ta situation aussi peut changer. Viens te joindre à nous pendant cette marche de 40 jours. Les Égyptiens qui te dérangent, les Égyptiens qui te combattent, bientôt tu ne les verras plus jamais. C'est de lundi à vendredi, de 16h30 à 19h juste. Les jeûnes commencent à partir de 6h pile jusqu'après les kilt. Un jeûne liquide, tu peux prendre un peu de jus, un peu de lait, mais ne mange pas. Viens dans la présence du Seigneur. Ça sera des moments forts en prière où le Seigneur va se manifester puissamment au travers plusieurs orateurs. Je suis l'hôte, certes, mais je serai accompagné de plusieurs hommes et femmes de Dieu d'ici, dans les pays et d'ailleurs. Soyez les bienvenus dans la deuxième édition de la Marche vers Cana avec comme thème « Ces Égyptiens que tu vois maintenant, tu ne le verras plus jamais. » Rejoignez-nous sur l'avenue Loubi, numéro 10 bis, dans la commune de Lemba, quartier Salongo Nord. Arrêt Libaya, vous prenez la montée vers la boulangerie Mazo jusqu'au marché Windsor Container et la police de Bakole. Vous prenez votre gauche, nous sommes là, Jeanne. Que le Seigneur te bénisse.